Et voilà, donc aujourd'hui, premier jour en Roumanie, assez bizarre. Les gens ne sont pas hyper chaleureux, pas forcément comme en Serbie. Et là, on va dormir là, dans cette pension, avec le petit balcon qui est là. Et voilà, donc là, c'est une petite pension. Les chambres sont très propres, très clean, c'est très sympa. Là, c'est la petite école, on est vraiment dans les montagnes, au-dessus du Danube. J'ai raté les chèvres là qui venaient de passer. Petit parcageux. Voilà. J'essaie de vous donner une petite vue un peu plus globale des montagnes. 140 km encore aujourd'hui, on carbure. Voilà. Union européenne, les drapeaux. On peut délaver. C'est bizarre l'impression dans ce pays parce que ils sont un peu comme les Bulgares. Ils commencent tout, ils finissent sur rien. Il y a une superbe point de vue au niveau du Danube, sur le Danube. Et la route qui est commencée, il n'y a rien qui est fini. Voilà. Et là derrière, c'est les montagnes roumaines dans lesquelles on va déambuler demain. Encore une grosse journée demain, 150 km. Et là, je vais essayer de vous choper le Danube. Et voilà, c'est le Danube en bas. Nous, on descend demain, on suit ça et on suit le cours. Pour quitter le cours pour aller sur la Bulgarie. Normalement demain nous serons en Bulgarie. Voilà. Ciao amigo. On pote le chien. Et RP permis. Hop. Et les gens. Faut manière. Faut que ça progresse. C'est un peu la boue en les pépères. La Serbie. On se demande pourquoi ils sont pas en Europe. Des gens cultivés, bilingues, trilingues, sympa, hyper accueillant, brillant. Voilà, je milite pour la Serbie en Europe, sans problème. Voilà. Ciao, les amigos. Mon tracteur. Et la vallée. Salut.